réalisé un film sur le groupe Magma qui a fait sa première tournée en Chine, alors que c'est un groupe qui a quand même 45 ans d'existence, c'est étonnant qu'ils ne soient jamais allés en Chine. Ils ont fait quand même pas mal de kilomètres, ils ont été dans trois villes, à Shenzhen, Pékin et Shanghai, qui sont des villes chacune à 2000 km l'une de l'autre. Donc ce soir on est au Triton et c'est la toute première projection du film. Qui vient d'être terminé, c'est vraiment tout frais. C'est vraiment une avant-première, c'est-à-dire que ça n'est pas public. Les seules personnes qui seront là ce soir, c'est les musiciens et les contributeurs qui ont donné en fait des sous via un crowdfunding. Ils ont participé en fait, ils nous ont aidés à terminer le film. Et voilà, et donc on les invite ce soir pour les remercier. C'est bravo pour Coralie, pour son document, vraiment. Je reverrai avec plaisir, notamment quand je dois James. Là. C'est vraiment super, extraordinaire de l'avoir capté. Hein. Franchement, c'est arrivé à créer une sorte de flou d'ambiance où on ne sait plus qui est qui. Là. C'était vraiment, à un moment donné, ça déconnectait complètement. C'est pas évident à capter et surtout ça s'est passé. Voilà. C'était intéressant de voir s'il y avait aussi des fans, s'ils étaient aussi fous furieux avec tous les vinyles, etc. Où ils avaient trouvé leurs vinyles, enfin ce genre de questions. Et alors, c'est la réponse? Il faut voir le film.